Alors, nous allons déballer la nouvelle imprimante. C'est le modèle Monoprice Voxel. Donc, c'est une imprimante fermée. Donc, on va regarder le contenu de la boîte. J'ai juste déballé, coupé le ruban qui retenait la boîte fermée. Donc, il y a une bobine de fil. Ça se trouve être du PLA de Fournier. Donc, une bobine de 0,5 kg, qui est quand même une bonne quantité. J'ai le fil de branchement. J'ai des accessoires pour le déballage, là, des fois quand on a besoin de déboucher la buse de chauffage. J'ai un petit tournevis et j'ai une clé Allen qui peut être utile aussi pour démonter certains accessoires. Le couvercle. Donc, voici l'imprimante. J'ai du ruban bleu un peu tout autour que je vais tenter de défaire. Voilà. J'ai aussi de l'autre côté un ruban. Donc, on peut voir ici, j'ai l'ouverture pour avoir accès au plateau à l'avant. Là, j'ai un carton qui vient s'assurer pour le transport que la buse et le plateau vont être en sécurité. Donc, ça me semble complet. J'ai ici le fil de chargement pour la bobine. J'imagine que la bobine de PLA va venir s'installer sur le côté ici. C'est le cas. J'ai d'autres accessoires de cachés dans ce compartiment qu'on va découvrir ensemble. Donc, j'ai un autre type de prise. Donc, j'imagine que c'est une prise de type international qu'on n'utilisera pas. Oui, exactement. Donc, j'ai tous les types de branchements là, qui seront pas utilisés ici. Donc, le branchement pour nord-américain et dans le fil qui était sous le dessus de la boîte. Là, j'ai un carton. Donc, ce que je peux remarquer là, c'est que le PLA qu'on peut acheter en industrie, là, c'est du PLA généralement qui a une grosseur de 1 kg. Donc, la roulette est un peu plus grosse, donc le double de celle-ci. Donc, je ne sais pas si elle va pouvoir accepter ce type de roulette-là sur le côté. C'est nos expériences qui vont nous dire. Puis, j'avais un affichage, voilà. Donc, c'est l'affichage tel que promis. J'ai le branchement USB à l'avant pour pouvoir envoyer des fichiers en format d'impression, donc en G-code. Puis, le on-off et derrière sur le côté, le même côté que j'ai la bobine de fil. Ça fait pas mal le tour du déballage.